À présent, Christelle va vous lire un texte qui rappellera, j'en suis sûre, à beaucoup d'entre vous, les grands moments que nos petits villages ont connus il y a quelques années, au temps béni des nombreuses courses cyclistes. Que bénéjeté chez enfin période tant attendue des grandes vacances et avec elle les retours du beau mois de juillet. Ah ben sœur, je ne suis pas encore en congé mais je ne fais mis rien. Mais tout le temps j'attends ce moment-là avec grande impatience. Mais pourquoi vous allez me demander? En fait, surtout parce que le grand boucle, comme elle l'appelle, est se démuche de nos écrans de télévision avec un masse de bioqueureux à l'orage du corps et fait le mabamandré. Être le moule et lui Jean, et enfin des paysages qui donnent des toupiries et qui finissent de pas commencer définitivement. Mais d'un tchet et encore plus d'un cœur, à chaque queue au pas devant mes yeux, j'ai l'image de Pépère Louis, enfin pour tout dire, elle pépère d'elle papa, mais il dit arrière-grand-père Louis, chez ton brin trollin, ton pipi, petit enfant. Un Pépère Louis, est-ce fabuleuse et inoubliable histoire du vainqueur. Je devais avoir tout au plus 7 ans, quand pour la première fois, Pépère m'a pris tout doucement et m'a mis de les cours et m'a raconté ce témoignage d'un époque larguement août, qui disait tout bellement avec ce gros veau et marche. Et c'est une enfant dans le temps, au 21 juillet, il y avait dans nos villages le challenge des belles écuiches. Je dois un rude et bel événement pour tous les gens parchis. Que le fiette, ça dure toute la journée. Du matin, il y avait les courses des anciens, des sœurs pour qui va souvent chez tout le dernière chance de gagner une coupe. Ah ben sœur, que le coupe que trophée, elle seule des belles cuiches fort chez main. Après le dîner, les professionnels développent de tout le région pour se moutrer ce qu'ils avotent à corde dans les pédales. Tout le village est en fiette. Un vieux moment d'amitié, même pour les gens qui ne t'ont vraiment pas retiré par les courses à vélo. Un sœur prévôt un fermile, un mangeau de tartale crème, un buvant une bonne jotte et un métaux l'équerre pas de d'aventure pour viser et rouetcher tous ces que refards. Cette année-là, pour si une pépère chatait une année spéciale. Elle fameux, elle cranque, elle zole toute dernière course d'escarrière. Oh ben sœur, je trouve pas un grand heureux, pas vraiment un champion, pas loin de d'un jeunesse, elle cranque qui a au chinco mieux aimé jouer au football. Comme drama de ses camarades d'école. Mais pour faire plaisir à ce pépère qu'il a voulu élever et dorloter, après que ses parents aient été morts dans un accident d'auto, il y a beaucoup marché à faire des courses cyclistes pour lui chez toi un véritable Kerberi. Il n'avait fait fonction par dépit et chasse veilleux, parce qu'il n'avait jamais raplati personne. Et ce fort chali, chez qu'heureusement il y avait des petits moulets, et il est au zéro vélo d'à peine 5 minutes qui attrapa tout de suite des cranques. Chez ma sœur de là, un petit vneau se n'en jeté. Pour le crank, je t'ai sœur qui a le vif et le plus bien jour de sa vie. Yalo, comme de ses plus vieux rêves, peut voir enfin R20 et saloperie de vélo et faire à ce vote. Terre tous y atteint sur une ligne de départ et trépine d'impatience. Attention, d'un coup sait que le commissaire des courses chuffiel est ce que le drapeau. Le départ y est donné pour un parcours d'environ 5 km avec 10 passages de zéro laine d'arrivée. Il n'a fait que 3 tours et de fait que le cranking de vos jobs plein les lattes. Et toute façon, il y a vos busillés et que j'y pulle comme un chemin. Et ce dernier sacrifice, il fera ben la snèche. Quand j'attais le dernier tour et que le cloquette y a dévolé à tout scatter, pente crank au passage final du plotter. Et personne qui est du verre d'être pas envie nos camarades dévoilés dans les premiers. À l'habitude, leur mise des prix a eu lieu et un armée coupe et le bouquet au vainqueur. Elle pépère dès le cran qui est aussi de risquer hier pas devant ce mazer et il se faisait tout de même vraiment d'elle bille. Après un bonheur, tout dit pas de petit garchin. Et le commissaire dès le cours, un sans scion, s'est tout de même aperçu qu'il est manquant un heureux sur une liste d'arrivée. Elle cranque, il y a veau disparu. Et si par malheur il est toqué dans un ruchot, coaché et qu'il a voulu rouler, il se tourmente tous pépère. Prends le bas de combat. Et le bonhomme qui conduit jour le camion brouche, il est douceur et n'a vaut plus aucun que retenir le circuit. Il a vaut déjà fait de coups le tour. Il se rend bien dire de ce que chez que le cranque, il t'a acheté.
Des foutus interdégins du village qui ont pris le auto pour faire un tour, et je n'étais pas possible, elle ne disparaissait pas à ça. Après un bon moment et en s'éloignant un petit peu du village, elle commissaire de la course y a or trouvé nos cranques. Anichée dans un fossé à côté des bols d'élo, elle tient à serre ses deux mains, tout décapti et tout peineux. Ibreio, Ibreio sans s'arrêter à Piocla. Mais alors elle cranque, parce que chez qui t'arrive un camarade qui lui dit le commissaire. Et t'as perdu ou ben quoi, t'es qu'ai? Mais t'as des gnous, tout des gros hein? Et tu sais que t'es plus sur le circuit? Ah ben oui, je l'ai vraiment assez. Et je m'ai superflu, je n'ai plus vu personne. J'étais au seul de m'avoir abusé de tes mains. Et je n'ai jamais eu aussi mort mes mollets. D'un trait, j'ai attrapé un cranc et j'ai bourlé dans le fossé. Ah, je te le dis, il ne doit plus se casser. Et je déplains les bus et je ne bouge plus, je demeure ici. Et je rue au djeb les 20 des joues et de vélo pour tout dire. Oh, néa, bon question. Elle va me faire le plaisir et de mort dessus de chic, de remonter de vélo qui n'a pas l'air trop amoché et de passer l'un pour le dernier coup de vie. Au village, terre tout si tatin. Passe un petit coup de pépère qui te vaut volontiers, tu ne peux pas lui faire chat. D'un bain et dans un sursaut de fierté, elle cranque à hors prise naleine et il y a un gant baisse vélo. Bien entendu, en remontant dans ce moto, le commissaire y a prévenu l'arrivée qui a retrouvé le cranc. Chasse a dit dans tout le village. Le cranc qui a l'eau bête au fer est toute dernière ligne droite et un lit de vélo terre tous de l'encourager. Chez un 5, les gens sont rançonnés en faisant un long et d'honneur pour l'héros du jour. Quand elle a vu arriver tout au bout de la route, un ramloche extraordinaire a hortanti dans tout le village. Elle cranque inervée nos pas. Des grosses larmes glichotent de ses bajoles. Les gens y parlent et applaudissent à tout ce qu'un fait. Chez Fierma, à jamais d'elle banderole que le cranque s'a redressé et a levé ses bras au ciel pour le premier et le dernier coup de sa carrière. Elle faisait le portrait qui avait fait le déplacement. Il a pris le photo de le cranque et de ce pépère qui brille de bénécheté. Elle y a même remis un bouquet. Des fêtes, le curieux qui a gagné le course de l'après-déné, il se demande à cœur à l'heure d'aujourd'hui pourquoi Clint n'a pas eu. Mais ce jour-là, qui finit chaud tout bellement Pépère Louis, il n'a vaincu un seul et grand vainqueur pour tout le village. Et chez Topubio, elle saute du cœur. Je me souviens que c'est à ce moment bien précis que je pose une tchette sur le boudin d'un Pépère qui a tout dit ses yeux qui débordent d'émotions. Ce dimanche-là, en ravisant le Tour des France à côté de papa dans le fauteuil, je busillais aussi bien au camp de pépère. Je n'oublierai jamais, au grand jamais, le regard de papa quand je m'ai retourné de Zerli et que je lui ai dit « Dis pas, tu te souviens du camp du vainqueur et de pépère Louis ?» Et papa m'a rouetché et les yeux remplis d'étoiles, ils m'ont répondu tout fièrement tout d'elle. « Ah, chabin, sœur, mon enfant, que je m'en souviens, parce que le vainqueur est de pépère Louis. » Béchet Tommy.